Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. À l'heure où il est difficile de savoir réellement la composition de ce que nous mangeons, coincé entre pesticides et additifs tels que le dioxyde de titane, qui affectent notre santé et notre environnement, à l'heure où notre pouvoir d'achat est un peu plus amputé par le néolibéralisme qui privilégie ses dividendes au lieu de répartir équitablement les richesses, il est temps de penser différemment notre autonomie alimentaire. Pour cela, le potager est une première réponse à nos besoins nutritifs essentiels, mais nous pouvons également ajouter un peu plus loin, dans notre jardin, un poulailler. Et oui, les poules sont de retour dans les jardins. Si vous aussi, vous désirez leur aménager un petit coin pour les voir galoper et obtenir de bons œufs frais, voici les conseils nécessaires à connaître avant de s'engager dans cette aventure réjouissante. La Gallus domesticus fait partie de l'ordre des Gallinacées. Il s'agit de l'espèce d'oiseau dont la population est la plus importante. Cette sous-espèce d'oiseau, inapte au vol, est issue de la domestication d'une espèce particulière sauvage du coq doré. À travers le temps, de nombreuses races ont vu le jour. Tout d'abord, pour posséder des poules, il faut se référer à la législation. Et oui, tout n'est pas permis dans la mise en place d'un poulailler. Chaque particulier peut envisager d'avoir des poules, cependant le nombre doit se limiter à la consommation personnelle. Vous pouvez tout de même donner quelques œufs à vos voisins ou bien même à votre famille. Cependant, il est interdit de transformer son élevage en commerce. De plus, certaines règles d'urbanisme et de respect du voisinage sont également appliquées. Il est donc conseillé de prendre contact avec sa mairie pour connaître les règles en vigueur et surtout en milieu urbain. Généralement, les municipalités encadrent les installations en zone urbaine ou périurbaine. Les éleveurs amateurs peuvent donc disposer d'au maximum 50 poules. Il est également prévu dans le code rural un respect de la propreté des structures pour éviter tout préjudice. Le dernier point correspond aux nuisances auditives. Effectivement, on considère qu'il est normal que le coq chante au lever et au coucher du soleil, cependant des cocoricos répétés sont souvent à l'origine de problèmes de voisinage. Vous êtes également responsable si vos poules dégradent le jardin du voisin. Il est donc préférable de maintenir ces poules dans un espace clos, mais suffisant pour le bien-être de l'animal. Et oui, tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Aussi, il est important de prendre en compte toutes ces règles avant de s'engager dans la construction d'un poulailler. Mais d'abord, quel type de poule souhaitez-vous avoir ? La poule est un animal de caractère, où l'on repère suivant les espèces des comportements différents. Il y a l'aventurière, la reine de l'évasion, la sauvage, la dominante, la faux-folle ou encore l'opportuniste. Pour correctement choisir, il vous faut déterminer si vous les souhaitez grosses ou petites. On distingue trois gabarits, lourd, moyen et léger, de 4 kg à 500 g. Un autre critère important, est-elle capable de voler ou pas? Le poids étant un facteur décisif sur cette faculté et qui permettra de définir la hauteur de votre clôture. Est-elle une bonne pondeuse, une bonne couveuse si vous souhaitez des poussins? À aujourd'hui, 200 races à travers le monde sont répertoriées. Un critère important dans l'installation de vos poules est le climat. Fait-il froid? Y a-t-il de la neige, de fortes chaleurs? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la poule est beaucoup plus sensible à la chaleur qu'au froid. Elles peuvent supporter jusqu'à moins 10 degrés. Cependant, un froid extrême nécessite un abri protégé du vent et un habitat plus petit leur permettra de se réchauffer plus rapidement. Les étés chauds demandent donc une véritable vigilance de la part du propriétaire, car la température interne d'une poule est bien supérieure à la nôtre. Elle est de 42 degrés et peut augmenter de 2 degrés lors de la couvaison.
Lors de chaleur excessive, l'oiseau plaque son plumage contre son corps, écarte ses ailes et se met à haleter pour se ventiler. Aussi, elle doit pouvoir s'installer dans des coins ombragés et doit disposer d'eau fraîche. Attention également à l'humidité qui s'éternise. Les poules huppées ou barbues se retrouvent avec les parties du plumage toujours mouillées et c'est un terrain propice au développement d'infections oculaires ou respiratoires. Aussi, rien ne vaut l'option de poules locales adaptées au climat pour débuter son poulailler. Doit-on opter pour un parcours en toute liberté ou bien un espace clos ? Une poule bien éduquée rentre la nuit tombée à son poulailler. Aussi, la liberté ne dérange pas. Elle l'expose juste aux prédateurs ou bien à une collision avec un véhicule. En milieu urbain, l'espace clos semble préférable. Pour connaître le nombre de poules dont on peut disposer, il suffit de connaître la surface nécessaire à ces dernières pour être en parfaite santé. Pour les races lourdes à moyenne, l'oiseau a besoin de 20 à 25 mètres carrés sur son parcours pour que le sol reste herbeux. Pour les petites races, 10 à 12 mètres carrés. On comprend mieux la souffrance animale dans l'élevage industriel qui ne respecte pas le décret sur le bien-être animal. Pour les hauteurs de clôture, il faut compter du 1,20 m pour les races lourdes, 1,60 m à 1,80 m pour les races moyennes et 2 m au minimum pour les races légères. Vous pouvez acheter votre poulailler dans le commerce, même si je trouve que c'est hors de prix pour une résistance plus que douteuse, ou vous pouvez tout simplement le fabriquer vous-même, ce qui me semble être le bon compromis pour un poulailler peu coûteux et résistant. Vous pouvez trouver sur internet de très bons tutos pour le réaliser. Les règles d'or de l'habitat, qu'il soit confortable pour les animaux, isolé du sol pour éviter les remontées d'humidité et la venue des parasites, il doit être préservé des courants d'air, être sécurisé des prédateurs, pratique à entretenir, d'où l'intérêt d'un bâti à taille humaine, propre avec une litière performante et hygiénique. À l'intérieur doivent être disposés des perchoirs qui leur permettent de dormir et des pondoirs. Au niveau de la litière, vous pouvez choisir de la paille de blé, de lin ou de chanvre. Le sable est également recommandé car facile à nettoyer et très absorbant. Maintenant, où acheter ces poules ? Chez des éleveurs locaux semble être la meilleure solution. Beaucoup d'animaleries en proposent, cependant il est toujours intéressant de connaître l'origine des oiseaux et le respect de leur bien-être. D'ailleurs, comment reconnaître une poule en bonne santé ? L'œil ou le bec ne doivent pas couler, la respiration ne doit pas être bruyante au repos, la crête et les barbillons ne doivent présenter ni croûte ni blessure, l'arrière-train doit être propre ainsi que le plumage. L'animal ne doit présenter aucun parasite externe visible. Il doit manifester une activité normale par rapport aux autres et ne doit pas rester dans un coin. Des questions intéressantes sont à poser à l'éleveur, comme quel vaccin a reçu l'animal ? A-t-il suivi un traitement anticoccidien ? Faut-il procéder à une transition alimentaire ? Faudra-t-il vermifuger, etc. Lorsque vos poules arrivent pour la première fois chez vous, il faut leur offrir du calme et du repos. Enfermez-les dans le poulailler avec eau et nourriture 2 à 3 jours. Cette claustration est nécessaire et peut être également ramenée à 24 heures. L'important est que les oiseaux reconnaissent et s'habituent à l'endroit où ils doivent dormir, ce qui leur permettra d'y retourner chaque nuit. Pendant les premières heures, il est important de leur rendre visite et de se faire reconnaître et entendre. Une approche calme, sans gestes brusques, et l'annonce de notre arrivée à voix haute les sécurise. Une fois cette période passée, vous pouvez les laisser sortir. Pour l'acclimatation de celles-ci, il est plus facile de les acheter en même temps plutôt qu'une à une. Voilà en gros les conseils nécessaires à l'obtention de poules. Au-delà des œufs qu'elles vous offrent, les poules peuvent vous aider à lutter contre les attaques de limaces, mais également à désherber. Elles sont friandes d'orties par exemple. Et c'est surtout une compagnie très agréable au jardin, ludique et amusante pour les enfants et les adultes. S'entourer d'animaux, les observer, est également un moyen de renouer avec le vivant et la complémentarité dont nous avons tant besoin actuellement. Construire son autonomie dans un monde où l'on pourrait nous faire croire que seul le travail rémunéré permet d'obtenir tous ses besoins est illusoire. Certes, vous pourrez peut-être acquérir une tonne d'objets inertes ou actifs via l'énergie nécessaire. Cependant, le déclin climatique, et donc de la civilisation vers lequel nos gouvernants nous dirigent,
demande à chacun de repenser le futur et pour cela, l'autonomie alimentaire est une priorité pour chacun d'entre nous. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Alors tu vois le Green, Green, absolument. Green, un Green, plus Green.